Pelm, Milan Dvořáček, Žabít a Republik Ček, a Smířice, se Petit Village, a Koté a Granville, se Patrik Konvise, Hradec Králové. Je suis cinq fois champion de Ček, de Cascade de Glace Vitesse, je suis sacariste, j'aime bien montagne. Aujourd'hui, les conditions sont pas tellement bonnes parce que c'est un peu de chaud. Il y a un peu de risque d'avalanche. La glace est fragile, risque un peu de tomber toutes les structures. Mais généralement, ça va encore. Des fois, c'est encore plus pénible. Aujourd'hui, ça va. C'est mon oui. Quelqu'un aime bien de moto, quelqu'un aime bien de voyager, j'aime bien de cascade de glace. C'est quelque chose d'extra, c'est pas tous les années, c'est des conditions qui sont bonnes une fois par année. Il y a beaucoup d'aventures. Des fois, je découvre nouveau cascade, je marche à pied dans le vallée perdu pour trouver la nouvelle possibilité pour faire cascade de glace. C'est grande aventure, c'est pas de seul mode comme escalade sportive. Parce que des fois, il n'existe pas de guide pour ça. Je découvre nouvelle chose, ça j'aime bien. Faire la Coupe du Monde, le Ice Sky Bank World Cup Tour. Ça commence à États-Unis, ça continue à Corée du Sud, Roumanie, Italie, France, un peu partout. C'est un peu plus compliqué comme le desclade classique. Vous avez le bon piolet, bon crampon, le vis pour le visser dans le glace pour fixer. C'est tout, le casque, c'est important parce qu'il y a beaucoup de fois le tombe de morceaux de glace. Première chose qui est très importante, c'est prendre une bonne technique. Pour ça, c'est bon de visiter de l'école d'alpinisme ou bien de prendre le guide pour expliquer première chose. Parce que toujours, je vois beaucoup de gens qui s'étudient tout seul, toujours faire quelque chose de faux. Je veux cinq années faire la même chose de faux. Si vous visitez quelqu'un qui bien explique la technique, vous prenez bonne technique tout de suite et après c'est beaucoup plus rigolo, vous beaucoup de montées, vous prenez beaucoup de choses, beaucoup plus vite.
607 degrés de difficulté de cascade de glace classique, mais ça c'est peut-être de 4 à scale de 5-6. Mais c'est pas tellement difficile, mais faire attention, il y a beaucoup de grands alpinistes qui sont tués pour le ascent ou bien pour le grimper qui est pas tellement difficile. Jamais oublier de respecter la montagne, de respecter la nature, de respecter mon limite. Oui, c'est vrai, je suis champion, mais c'est rien. La nature, elle est beaucoup plus forte que moi, toujours.